Salut à tous les amis, c'est Lunar Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Orlando. Salut. De Fredo. Bonsoir à tous. D'Evan. Salut. De Louis. De Maxoum. Salut, salut. De Romain. Salut tout le monde. De JP. Salut. Et de Quentin G. Bonsoir. Donc voilà, parmi pas mal de monde. Nous sommes 5, donc les 5 que je vais citer, donc Evan en Renault Magnum. C'est moi. Quentin G avec son Renault T. Parfaitement. Fredo avec son Scania sans moteur, parce qu'on voit pas le moteur de son camion. Absolument. Moi un petit Volvo, et Louis du coup avec son petit Renault rangé T. Avec le meilleur camion. Donc voilà les amis, je vous laisse démarrer la route. Quentin, tu vas premier ? Allez, bah non, je vais derrière Louis, on revient. Bah, on part de Palerme. Je vais derrière toi. Donc on part de Palerme et on va jusqu'à Rome. Donc là j'ai le petit ensemble adhéreux pour cette petite vidéo. Le portail. Vous allez pas vous manger le portail directement à la sortie, sinon on n'a pas fini hein, quand même. Moi j'ai failli hein. Le portail te laisse ouvert, merci Maurice. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo? Du port là. Au rond-point, prenez la. Tu t'en vas au port Louis. C'est la première sortie. Non non mais t'inquiète, t'inquiète, c'est juste pour découvrir de la route. Maintenant. Oh là là. Du coup ça y est, je suis dernier. Recalcule. Vous me suivez, vous cherchez pas à comprendre. Bah si. Bah non. On a déjà perdu tout le monde. Est-ce que c'est normal que j'ai Louis devant moi? Oui, c'est normal. C'est moi qui mène. C'est moi qui organise. Bah mais il y avait Quentin entre. Il y avait Quentin. Ouais, mais comme je pensais qu'il s'était trompé, moi j'ai en plus. Ah là là. Tournez à gauche. Romain, t'as pas une petite blague à nous faire aujourd'hui là? Bah non, mais ça vient sur le coup. Et... Oh jolo. Il est fâchu. Non mais. T'es déçu d'être arrivé au plein moment où je commençais à faire l'intro. Ah non non non, t'inquiète. Fâchu contre lui. Ah non non non. Faut que je me mette dans l'ambiance. Faut que tu te mettes dans l'ambiance. Ivan, je vais défoncer. Arrête de faire des appels de phare. Tu veux que je pile? Moi je peux faire une blague. Oui vas-y. Pourquoi la bière elle coule? Je sais pas. La bière, elle... Parce qu'elle est sous pression. Je me casse les couilles. Oh là là. Qu'est-ce qu'on c'était si nul. Allez tout droit. Pourquoi. Attends. Pourquoi la bière ne sait pas nager? Attention. Parce qu'elle est sous pression. Non. Qu'elle coule. Parce qu'elle sait pas nager. Oh, oh non, non, mais non. Il y en a qui rigole là. Franchement, des blagues aussi nulles que ça. On a le droit de faire des blagues qui risquent de faire que ta vidéo soit soumise. Non, 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 non. T'as pas le... Non, pas du Jean-Marie. Pas du Bigard. Et non, tu risques de ne plus jamais revenir. Eh, c'est quand vous voulez qu'on accélère, hein, parce que là... Écoute, le Magnum n'avance pas. Son ceux derrière moi qui roule pas. Hein. Oh, j'ai une autre blague. Uh-oh. Quelle oh là princesse là. A les lèvres gercées? Blanche-Neige. La Bello Bois Dormant. Oh non. Ça, c'est la Carambar ou quoi? Hein? La Carambar? Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai trouvé ça Instagram. C'est pas possible. Attention. La Bello. Allez, on avance. Allez, 90. T'as besoin de faire le plein? Ah non, c'est bon, on est tous pleins. Ok, c'est bon alors. Celui qui a pas fait le plein, qu'il aille bien se. Se. Non, en fait. Se faire plainter. Ouais, ouais. Attention, veuillez respecter. Voilà. Je vous tiens à l'œil. Tout le monde arrive à suivre ou pas? Tout le monde arrive à suivre.
Oula, vous m'excuserez les gens si vous me voyez. Lunari, ça commence bien là. Non, mais je fais des petits écarts de temps en temps. On va toujours tout droit pour l'instant. Et on roule à 90, bande d'enfants. Bah, la dernière vidéo c'était un tour de France et maintenant c'est pas un tour d'Italie, c'est une promenade en Italie. Une promenade. Tour d'Italie, il faut encore qu'on le fasse. Oui, ça ouais, c'est plus facile. Le tour d'Italie pour Maxoum. De quoi ? Moi j'en ai eu une, blague. Oh là là. Il y a un couple qui était à une fête avec leur enfant de 5 ans. Ils rentrent, ils sont un petit peu alcoolisés et ils se font arrêter par la gendarmerie. T'as le gendarme, il lui dit bonsoir monsieur, contrôle, on va voir si vous êtes alcoolisé. Du coup, t'as le père, il dit oh, allez-y, de toute façon, j'ai rien bu. Du coup, il souffle, le gendarme, il lui dit vous êtes sûr que vous avez rien bu? Parce que là, ça me dit que vous avez 3 grammes. Du coup, t'as le père, il dit c'est votre appareil, il marche pas, faites souffler ma femme. Ensuite, il fait souffler la femme aussi, elle a à peu près 3 grammes. Ensuite, il lui dit, c'est pas possible, allez, faites souffler notre gamin. Et il fait souffler le gamin, et le gamin aussi, il a à peu près 3 grammes. Et du coup, le gendarme, il dit, ah oui, effectivement, ma machine ne marchait pas. Allez, au revoir, messieurs, dames. Du coup, il part, et au premier virage, t'as le gamin, il dit, t'as vu, papa, j'ai bien fait de vider les verres. Pas mal. Pas mal, pas mal. Oui, j'ai pas rigolé. Ah. Une devinette. Va crever. Je rigole. Une devinette. Il y a deux pères et deux fils dans une chambre et il y a 3 lits. Tout le monde dort sur un lit. Pourquoi? Attention, veuillez respecter. Parce qu'il y a un qui est grand-père, un qui est père et un qui est fils. Oui. C'est la même blague que j'ai eue à mes profs de maths. Ils m'ont fait une fois cette blague, mais avec des. Il y a 4 oranges, il y a 2 pères et 2 fils, sauf qu'ils m'ont pris pour un con. Du coup, j'aurais directement répondu ça, ils ont tiré la gueule. En gros, vu que t'as 2 pères et 2 fils, oui. Et bah, il y a un père, c'est le père. Voilà, t'en as 2 qui sont papa et t'en as 2 qui sont fils. Et au final, t'as 3 personnes. Parce que t'as le grand-père, le père et le fils. Le petit-fils. Ah oui, moi j'en ai une, mais à mon avis, ça, c'est claqué au sol. Mon premier est une boisson, mon deuxième est une boisson, mon troisième est une boisson, mon tout est une boisson. Attention, boisson. Respecter la limitation de vitesse. Non. Non. Ouais. Café au lait. Café ou... Ah oui, d'accord. Boisson café, mon deuxième est une boisson eau, mon troisième est une boisson lait. C'est pas bête. Okay. C'est aussi bête que lui. C'est ça. Ça veut pas dire que t'es bête. Maxou, t'as pas une petite blague là à nous donner là par hasard? Ah non, donc pas les personnes, c'est le parti qui est seul que je connais. Donc je pile ou comment ça se passe? Non, c'est, qui connaît, c'est ceux de nos potes Jérémy, alors laisse tomber, c'est de nos potes. Notre pote Jérémy, voilà. Tu veux vraiment prendre ma remorque? Non, mais le pire c'est que Maxou, il m'envoie une photo, il me dit je suis pas capable de la mettre. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je la mets, je mets source et 2 points. 2 points, Maxou. Mais c'était une photo de quoi? C'était un arbre. La première photo, c'était un arbre qui ressemblait à un brocoli. Ah non, ouais. Non. La deuxième, je sais plus ce que c'était, il travaillait sur un chat qui ressemblait à... On donne pas plus de détails. Enfin, j'avais pas compris, moi. Je me dis, oula, c'est quoi ça? Voir l'image. Ouais, voilà. Attends, j'essaie de la retrouver l'image. Parce qu'en vidéo, certaines personnes ont... Elle est où? Elle est dans juste pour rire, ouais. Les gars, vous avez pris où Messina ou alors Fui, machin, là? Oula, je sais pas. Moi, je suis derrière. Ah oui, t'es derrière moi, quoi. Bah, suis le GPS. Il y a un péage. Oh non. En fait, ils sont stylés, ces péages. Hein. Vous êtes-elle au péage? Ouais, on est là, au niveau du péage. Messina, là. Mais on est les gars, j'ai une autre blague. Oui. Tu suis le GPS, quoi... hein. Pourquoi personne rit à la blague de Harry? Parce que Potter. Non. Ça, c'est rien. Parce que personne a ri à sa blague. Ça c'est nul. Où est-ce que vous les trouvez? Je sais pas, je cherche sur Instagram, il y en a plein. Je suis un brocoli, je ressens un arbre.
Je suis doux. T'es moi qui l'ai dit. Non, lisez pas en pleine vidéo. Lisez pas en pleine vidéo. Mais voilà. Je suis un champignon et je déteste ce jeu stupide. D'accord. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. On passe devant la ville de Messine. Ah, on va passer dedans, on va carrément passer dedans pour prendre le bateau. Mais il vous reste combien de kilomètres là, ça va être 792. Et Maxoum, t'as vraiment que des blagues waouh. C'est sur internet hein. Non mais c'est comme moi, il y a normalement juste pour les miettes de pain avec les toilettes. Tourne, ah oui. C'est internet. Et c'est qui a fait ce genre de bêtises? Bien silencieux ici quand même. Hein. C'est bien silencieux mais par rapport à tout à l'heure où tout le monde racontait des blagues. Ah mais si vous voulez j'en ai encore hein. Vas-y raconte. Non mais après c'est pas sûr que la vidéo elle soit encore autorisée. Non mais, des vraies blagues, pas des blagues, voilà quoi. Ouf. Je te fais pas de dessin. Ah non j'en ai plus. Je regardais ce que j'ai en stock. Venez on raconte nos conneries quand on était petits. Vas-y. Ah mais moi je vous ai déjà raconté beaucoup hein. Ouais, t'en as raconté beaucoup en live. T'as pas fait de bêtises quand t'étais petit, Fredo? Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? On s'en souvient souvent là. Parce que... généralement, c'est des bons moments de notre... Allez, ah pas j'ai pas tourné. Tout le monde. En fait, je vais rester devant parce que vous savez pas quoi dire. Quand tu fais une connerie, c'est un bon moment pour toi. Ah ouais. Bah, c'est un bon moment où tu penses pouvoir t'en souvenir. Ah. Oui, on t'évase pas en convoi. Alors ça, non. Ça, je sens que je vais me faire strike pour celle-ci. Donc, non. Tenez la droite. Alors ça, non plus. Ah oui, c'est comme celle-ci, voilà. C'est une femme, donc, qui va pour faire un test de grossesse. Et qui met, chérie, je suis enceinte, on va avoir 37,8 enfants. Ah. Et le mari lui répond, tu viens de pisser sur le thermomètre, mon cœur. Je suis seul à rigoler ou quoi, là? Eh ouais. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Bah 37,2, hein. Oh bah attends, Louis s'est buté. Mais c'est drôle. Et JP s'est buté. Ouais. JP il s'est mis parce qu'il a trop. À quoi? Il a trop rigolé, JP. De quoi? C'est tout. Moi non. Comme par hasard, tout le monde se réveille après. Tout va bien, les enfants? Je peux continuer? Non, je passe devant. Hein. Alors, ça gens. Non, celui-là je ne fais pas. Ça non plus, parce que voilà. Non, ça c'est trop. Trop voilà. Trop gentil. Attendez, on s'arrête juste. Alors celle-ci, je pense que je peux la faire. Docteur, je suis inquiet quand je fais l'amour. J'entends des sifflements. Ah. Et donc il y a le médecin qui met, à votre âge, vous espérez quoi? Des applaudissements. Elle est pas bête quand même. Personne n'a rigolé. Personne n'a rigolé. Bah ouais, c'est pas ouf. Quentin, t'es pas obligé de me reculer dans le... Mais c'est pas ta faute, j'étais coincé la remorque, je sais même pas d'où. Oh lolo. Allez, j'ai un truc. Y a un couple d'anglais qui sont en France. Ils ont emménagé en France pour vivre leur vie en France. Et ça fait beaucoup de mots France, mais on va dire qu'on n'a rien entendu. Vive la France. Et du coup, ils vont voir un médecin pour lui demander comment on fait des bébés. Du coup, leur médecin, il leur explique toute la mécanique, quoi. Et ensuite, il leur explique pour dire, pour la fin, que le bébé est censé sortir de la femme. Mmh. Et ensuite, après avoir fait l'acte, t'as le papa, il écoute au niveau du derrière de la femme, et la femme le pète, il dit, j'ai oui, j'entends le bébé, il a oui, bon, il est. Elle est pas mal. Oh là là.
Mais dans quelle entreprise je suis atterri? Mais ils veulent fusionner, ça tombe bien. Fusionner. Je suis vraiment PDG de ça, moi. Mais je rends le tablier si c'est ça. Hein. Absolument. Tablier. Je vous rejoins. Bah, tu es cuisinier, JP. Peut-être, qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas, t'es pas un futur cuisinier? Je suis pas cuisinier déjà, je suis pâtissier. Ah bah c'est pareil, pour moi c'est la même chose. Non, du tout. Alors là? Tu cuisines quelque chose en étant pâtissier? Oui. Tu es dans une cuisine en étant pâtissier. Il conçoit. Je ne cuisine pas des plats. Il met au monde des bébés, des et des gâteaux. Il conçoit des œuvres d'art en forme de nourriture. Voilà. C'est pas très français, mais je suis là. Effectivement, c'est pas super la France. Une blague ou une connerie de quand il était petit à raconter? Une connerie que j'ai fait. Faire une pause quelque part à un moment. Non, pour faire le plein, parce que je pense pas que les 600 km on les fait encore avec un plein. Non? Oh, tout le monde a le plein, je pense. Attends, moi j'ai encore. Ah non, c'est bon, 1100 km d'autonomie. J'ai une connerie à raconter, moi. Vas-y, Eva. Enfin, une anecdote, c'est une anecdote. Uh-oh. En gros, j'étais en CP. Enfin, c'est l'anecdote d'un pote, mais voilà, je vous la raconte parce que. C'est, dans le CP. C'est la meilleure classe, la CP. Je répète. Et en gros, mon pote, il a envie de chier, quoi. Je dis comme ça parce que je vais pas dire autre chose, ça va. Il avait envie de prendre une pêche, donc. Il y va. Cinq minutes après, il revient. Devant la salle de classe. Mais c'est pas une blague, c'est pas une blague, je l'ai vu devant mes yeux. Monsieur. Mec, on était tous morts, mec. Oh non. Oh, je te jure, mec. Alors, attends. Faut pas qu'il regarde cette vidéo, sinon il va être déçu. Maintenant, chacun doit donner le prénom d'un pote qui en aurait été capable de faire ça. Alors là, je sais pas. Yuki. Aucun. Maxime. Ah oui, attendez, j'en ai une autre. On était en 5ème. Il y avait un pote à moi à côté de moi. Se dire, les tables sont collées, tu vois. On rigole tellement, je sais pas, un truc de merde. À un moment, il a lâché, mec, un pégro, mais en fait, il croyait que c'était un silencieux. Sauf qu'en fait, c'était pas un silencieux. Mec, un mec, il a lâché un gros. Ça a résonné dans toute la classe. Le prof, il a commencé à le regarder, il a dit toi une heure de colle. Oh la vache, une heure de colle pour un P quoi. Et en gros après il m'a dit en fait c'était un P mouillé du coup. Non. En gros voilà, du coup voilà, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Là aussi faut que je vous raconte une anecdote. Des traces de freinage. Ouais, des traces de frein, oui, façon de parler. Et pas une petite, hein. Une trace de frein sur de la pluie. Il m'a dit, mec, c'était une flaque dans le truc. Hein. Ah non, moi, quand j'étais en 6ème, j'étais avec un pote, on était tellement con. Une fois, on était au CDI, on se faisait tellement chiant, on s'est dit, vas-y, viens, on tape un concours de paix. Oh. Sauf que moi, j'ai un... C'est quoi cette place? Sauf que moi je suis tout le temps fort pour que les autres se fassent accuser à ma place. Oh non. Tu sens la douille venir. En fait, les ordinateurs étaient reliés les uns aux autres. Et tu pouvais en plus, vu que c'était encore sur Windows XP, ils utilisaient Skype et tout. Et tu pouvais envoyer des gifs et tout. Et des sons à tous les autres ordi. Et du coup, on envoyait des sons de paix à tous les autres ordi.
Quel enfant. Et du coup, à un moment, on... et du coup, pour faire genre, c'est pas non, on est dit purée, c'est vraiment un gamin celui qui fait ça. La meilleure connerie. T'as le mec, on connaissait même pas qui t'a battu nous, il s'est fait engueuler. Parce que lui, il était sur Skype et on arrivait à jongler de fenêtre en fenêtre. Oh là là. C'est ballot, moi j'ai pas d'anecdote. Mmh. Oh si, j'en ai une trop grande qui s'est passée cette année, mais je peux pas la raconter. Mmh. Vas-y. Non, vraiment je peux pas. S'en fiche, j'ai pas notre chaîne. Hier, Maxime, c'est un truc avec l'adresse email de Maxime. Tu te souviens, Maxime, ou pas ? Oh non, oh non, non, je sens pas le truc. Je peux pas la raconter. Oh, non, si, vas-y, dis-la. Je peux pas. Mais si. Bah, non, en vrai, je peux pas. Si ça atteint déjà... une certaine limite, voilà. Ah, bah. Une grosse limite. Bah non, ça va. Non, mais alors, on va faire la même chose. Ah si, il faut que je raconte. Une fois, t'avais une prof. Une prof qui nous avait donné son adresse email personnelle. Oh là, je sens le truc. Pour qu'on puisse lui envoyer des devoirs. et parce que son adresse email du site du collège ne marchait plus. Du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on bidouille un truc. Et on est allé sur un site tellement chelou. Il nous a demandé notre adresse email. On a entré l'adresse email. Ah non. Je sais toujours pas ce que ça a donné aujourd'hui. Ah non. Le pire truc qu'on a fait en soirée, hein, je vous raconte. Hein. On était chez un pote et en fait il habite en hauteur, enfin c'est une maison, on était au deuxième étage. Et en gros, il a une fenêtre et il y a, je sais pas, il y a peut-être 2 mètres de tuiles, un peu en pente. Et en gros, on a eu l'idée de mettre une play, sa play, sur le petit truc en tuiles. Il dit, ouais, ça, c'est bon ça, tiens, on ferme la fenêtre, on met rideau. Il dit, même pas, allez, putain, 15 000 plus tard, il dit, ouais. Attends, tu sais quoi, on va quand même chercher la play, tu vois, on est pas des gars, hein. On ouvre la fenêtre, y a plus la play. Oh, regarde, mec, on va en bas, gros, on voit la play exploser, mec. On a fait, oh, mais mec, comment on va cacher ça, gros? Alors, on a caché ça. Tu vois, on l'a mis dans sa grange. On remonte, on te dit, on passe la soirée et tout, il me dit, ah, les gars, ça vous dit, on se fait FIFA? Et en gros, maintenant, ça fait peut-être 2 mois, là, ça va aller passer. Non, 3 ou 4, je sais plus. Le lendemain, le mec qui va dans la grotte, il retrouve sa PS4 claquée au sol. Ouais. Puis, les gars, c'est quoi ça? Il commence à nous engueuler. Le mec, c'est pris une raclée, gros. Oh putain. Vous lui avez au moins repayé, j'espère. Bah en fait non. Et du coup maintenant il nous parle plus mec. Bah ouais, je pense que après là-dessus il a pas trop envie de vous parler. Le pauvre. C'est une blague qui est... Je le plains quand même. Il a acheté un PC tranquille. Bah il espère que vous viendrez plus chez lui. Sauf qu'en fait le mec... Celui-là au moins ils l'auront pas. On peut l'attacher. Ils le foutront pas dans l'arbre. Quand on prend mon truc avec la semaine, j'ai tellement envie de le raconter, mais je peux pas. Je peux pas. Ouais, c'est quand même. Ben, c'est un peu comme Louis. De quoi ? Non, mais c'est pas. Non, mais je peux pas. Parce que si je dis un site chelou, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est... Voilà, mais on se fait pas ce dessin quand tu dis un site chelou, on sait ce que c'est, quoi. Et on se fait pas de dessin, on est pas trop bébête dans notre tête non plus. Hein. Bon, d'accord, je le raconte. Alors, oh merde. Le jour de la Saint-Valentin. Oh non. Oh, déjà, le jour de la Saint-Valentin, quoi. Sur un de ces fameux sites chelous, tu pouvais avoir. C'est qui a mute Quentin? C'est lui, c'est mute. Il s'est mute tout seul, je crois, je suis pas sûr. Mmh. Ou c'est JP qui l'a mute. Bah, je suis en train de jouer là, non mais ça va. Hein. Non, il s'est mute tout seul. Ne me dis pas qu'ils ont fait la même blague que nous quand même. On l'a fait au lycée, nous. On demandait des. Non, Quentin, il est en PLS là.
S'il peut plus rien dire. On demandait des, on demandait l'adresse aux gens, aux des gars dans au lycée qu'on connaissait pas. On demandait leur adresse et après on allait sur un site. On mettait leur adresse et leur nom et en fait ça envoyait des autocollants. Oh. Mais c'est des autocollants quoi. Voilà, mais on se fait pas de dessin avec eux. Voilà. Louis. Oui. Tu vois. Oui. Une fois quand on était petit, tu vois, il avait un quad. Ouais. Il était complètement défoncé, tu vois. Ah bah ouais, en mec. En gros, on était, tu sais, près du bunker, il y a donc une petite rivière à côté, là. Ouais. Et en gros, on était sur le chemin, près de la rivière. Je roulais tranquille, je m'arrête. Je descends. L'accélérateur se bloque. Oh non. Il fonce en avant. Il y avait un autre mec en face en moto, il descend et en fait il a voulu rattraper le guidon, sauf que c'est con, il a poussé vers la droite et à droite il y avait la rivière. Oh. Et dans le quad, en fait, il a juste la rivière. Écoute, il a plongé dans la rivière, mec. Oui. Sauf comme du coup, on a rigolé. Pot de plein, là. On a rigolé. On a déjà assez de carburant, Louis. Ah, ok. Non ? Tout le monde a du plein ? C'est bon. Du coup, pardon. J'étais sur mon téléphone. En fait, Fredo, il est où ? Ah bah, bravo. Ah, il est derrière. Ouais. Voilà, bref, je couperai des trucs au montage et je m'amuserai à réparer cette collision en ralenti. Attention, veuillez respecter la limitation. Pour voir comment je tombe. Ah, j'ai un deuxième Quentin qui vient de m'envoyer un message. Attention, veuillez respecter la limitation. Les gars, okay. Ça va, une autre soirée qui est pas... Quentin Sport. T'as quoi ? Quentin Sport. Ah oui. Moi, je me suis pris un avant et j'ai mal. Ça va, Evan ? Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ouais, là. Donc moi, je suis arrivé en miettes au convoi, enfin à la fin du convoi, du coup. Il reste 300 km, un quart d'heure à peu près. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Louis, t'as déjà surpris ta meuf à Saint-Valentin ? Oula. On va dire qu'on ne parle pas de la vie privée sur YouTube. Voilà. mais je parlais sur quoi, genre faire un cadeau, tu vois. Pas... Ah, bah oui, comme tout le monde. Par contre, je dirais pas ce que c'était le cadeau. Mais attends, mec, faut que je regarde ces trucs. Il y a un pote à moi, tu vois, il voulait surprendre sa meuf, tu vois, il s'est caché. Ah non, je vois la bouille arriver. Là, mais attends, il y a une pièce, il y a la porte, il y a un mur avec une vitrine. C'est foutu à Walp dans la vitrine. Non, il était de l'autre côté, il s'est mis dans l'armoire et il s'est mis en caleçon rose, tu vois. C'était pas loin. La meuf, en fait, tu vois, l'armoire, elle est pile en face de la vitrine. La meuf, elle ouvre l'armoire et dans le noir, tu vois. Elle, il gueule. Je sais plus quoi. La meuf, elle se surprend, elle tombe en arrière. Elle se claque contre la vitrine. La vitrine, elle se pète en mille morceaux. Et oh, oh vache. Au final, ça finit à l'hôpital. Oh, yo. Le résultat de Louis qui est vachement rapide. Elle est morte. Sympa. T'es aimable, très toi. Bien. Putain, c'est con. Donc je vais faire du petit montage, oui. T'as pas une photo d'un Mercos une belle photo du Mercos. Du Mercos Cedos. Bah celui qu'on a entreprise. Tu en as plein dans la rubrique photo vidéo du Discord de la ouais, mais il y en a aucun. Ouais, mais t'en as pas un qui est solo. Bah je t'en ferai une solo si tu veux. Bah autrement j'en ferai une, hein. J'en ai un Mercos. J'en ferai une. Ça me fait chier. Ça me fait chier de démarrer mon jeu. De démonter ton jeu, ouais. Oui. Et la bonnette. Je sais pas ce qu'il veut démonter dans son jeu, mais. Ah, quoi que, ça c'est beau ça.
Ah oui, du coup, Romain, il faut que tu règles le problème des vannes. Ouais, ouais, je sais, il m'a envoyé un message. Non, c'est bon. C'est bon, je me suis sauvé. Et paf, le chien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas capté. Faut que tu fasses un bisou chez Quentin G. Ah, attends, mais il faut que je fasse un bisou à Fredo dans la vidéo. Ah oui, là oui. Alors Fredo, tu es où? Je suis là. Ah, on peut déjà les re, il est là. Attends, viens là. Viens là, Fredo, que je te fasse un bisou. Tu me laisses repasser devant. Le bisou de la vidéo qui est obligatoire. Ah. Pourquoi j'ai pris 22 tonnes en même temps? J'arrive, Fredo. Arrête de faire des appels de phare ou je te sers. Oh Il y a un qui fait dodo. Eh, hey, ça c'est toi, mais... ça c'est toi. Moi je me suis espalé vers la droite. Bisous, Fredo. Faites gaffe, il y a un Louis sauvage qui s'est retourné. Il y a un Louis sauvage. Mais vous n'êtes pas sérieux, mais... Ah, sérieux. Ivan. C'est toi, mec, tu t'es serré vers la droite. T'as déboîté sur ma voix. Mais même pas. Mais je suis pas déboîté. T'étais sur ma voie. Quentin, il est. Attends, Quentin, je passe à côté. Kilomètres. Vous êtes à combien de kilomètres? 221. Ah, bah, je suis à 290. Ça va, Quentin? Je suis pas givé brusquement. Vous m'excuserez, les gens, j'ai des roues bleues, oui, parce que c'était un camion ou une remorque de la LGT. Frébourg, qui s'est transformé. Donc voilà, en même temps, je vais faire une petite photo pour la miniature. Tant qu'on d'accord. Est là. C'est ta vie. Oui, c'est la vie que j'ai choisie. Youpi. Youpi aïe. Youpi caraï. Oh, dis, eh, oh. N'oublie pas que je peux comprendre. Ah oui, merde. Ah, pourquoi ce merde? Ouais, t'en fous des... Eh, bon, parlez pas d'autres langues, moi pas comprendre autre langue à part français, anglais, espagnol. Je peux donc vous dire maintenant à l'heure d'aujourd'hui que quelqu'un vient d'être brusquement viré. Ah qui? Voilà. Il a été mute, le pauvre. Et mon collègue aussi, du coup, puisqu'il parle. Tous ceux qui parlent beaucoup dans ma vidéo, tu les mute. C'est pas bien, JP. T'es pas gentil. Allô? Vora. Hein? 2-3 soleils. Oh lolo, c'est quoi cette équipe? Petit bon bisou. Moi je suis content, j'ai fait le bisou à Fredo. Vous n'êtes que des bras cassés. Non, parce que sinon on pourrait pas conduire. Bon, vous m'attendez, bande d'enfants? On t'attend sur l'autoroute. L'autoroute. Je t'attends sur l'autoroute, tu vas voir. Il nous reste 214 km. Hein? Autobahn comme l'Esteban. Oui, Autobahn Polizei. 300 km en allemand. Ouais. Merci, Art Cobra. Ah oui. Ah là là. La Autobahn. Celui qui ne connaît pas l'air de cobra dans les commentaires, n'hésitez pas à me le mettre. Oh, c'est qui? C'est une série. Voilà, c'est une série. Vieux comme nous. Une série allemande. Allemande, traduit français. Ah, c'est vrai, c'était allemand, je pensais que c'était français. Mais... Autobahn, c'est le nom de la police française. Non, c'est l'autoroute. Mais l'autobahn, c'est les routes. Autobahn Polizei. Ah oui. Ah, j'ai jamais fait attention. C'est vrai que je regardais, mais j'ai jamais fait attention. En fait, on appelle l'autobahn parce qu'en fait, c'est des autoroutes illimitées, l'autobahn. Eh, ouais, j'ai trouvé, Fredo. Mais maintenant, elles sont limitées. T'en as quelques-unes qui sont limitées. Fredo, j'ai trouvé autobahn. Autobannissement. Ah, bah voilà, c'est ça. Comme Esteban. Okay. Voilà. Esteban. Allez, on peut y aller. Il y a un Louis Sauvage qui arrive. Salut. Avec ce joli coucher de soleil. Oh, oui. Il a un fond de balle. Faut que je rattrape l'autre Kinner Sip de forme. Là, y'a personne. Oh, mec! Ça va? Lunari, je te. Je te? Qu'est-ce que tu me te? Je te. Gentil. Qu'est-ce je que te tu gentil, te... ah oui. Si elle te la France que tu dis, tu peux partir. Hein. Ah! Oh le salaud!
Allez, laisse-moi passer. Eh bien. Allez, ouais, prosterne-toi. Prosterne-toi. Attention, je t'ai laissé me doubler. Hein. Tu te fiches de moi. Fredo, t'es là? Ouais. J'étais plus dans le tab parce que j'ai appuyé un peu trop fort sur la pédale. Ah oui. Ah bah moi non plus. Ah t'as le 2002 Louis en idée. Attention, veuillez respecter la limitation. Toi, je suis vieux hein. Eh, hey, t'es vieux Fredo. 1475. Et toi, voilà. 1478. 368 pour moi. Ah ouais, Evan, t'es si vieux que ça. Quentin G, il est du futur. Ah, ouais, je suis il est 3022. Ouais. Non, autrement, il a 3022 ans. Ah oui, oula. Vampire. Va dans le rétro, c'est la menace. Il y a encore Marco qui t'embête. Ah non, il est en train de gratter à la porte, mais sinon tout va bien. Il est de la... Il gratte à la porte. Et bientôt il sera dans la cage. Non non, à la porte de ma chambre. À la porte de la cage, je pensais. Non, il gratte à la porte de la chambre. Le dos d'Hulk qui va voir un peu ce qui va recevoir. Justement, Hulk il est venu jusque devant la porte, il a aboyé d'un coup devant la porte. Marco il a détalé. Il s'est dit je retourne dans ma cage, je vais dormir. Non non, il a détalé sous le lit. Après il y avait que son nez qui dépassait du lit. Et là, bah, on vous mettra. Si JP tu m'autorises, je mettrai une photo de Marco sur la vidéo. Bien sûr. Comme ça, qu'il puisse connaître Marco un minimum. Mais la plus mignonne de lui. Tu mettras quelques belles photos pour que je puisse en mettre plein à l'écran. Et alors qui est Marco? Qui est Marco? Furet de mon mec. C'est un furet. C'est un truc. C'est mon mec, ah non, non, c'est que possède JP. Un truc qui te bouffe le pied sans respect. Voilà. Et qui doit avoir une bonne odeur corporelle. Non, ça va, il sent. Ça va. Ça va. Depuis qu'il a été castré. Voilà. Ah. Tu l'as senti nouveau bien. Nouveau sujet de vidéo. Bon, malheureusement, Luna n'est plus là. Donc, voilà. Mais j'ai toujours Marco. Ah là là. Et plein de petits avec. Ah non, juste lui. Et ça suffit. Normalement, dans 2 mois, voire 3, j'ai un nouveau qui vient à la maison. Oh lolo. J'ai une amie qui m'a gentiment donné un furet. Oh bah dis donc, c'est bien ça. On te fait un nouveau-né. Voilà, un nouveau-né. Parce qu'elle a eu. Enfin, sa furette a eu des furetons et du coup, elle m'a m'en donné un. Ça se dit des furetons? Oui. Je viens d'apprendre ça. Furette, ça me fait penser à un autre truc. Tu vas mourir, Louis. Arrête. Plus tu dis ça, plus tu vas te retrouver loin de la France. Pourquoi? Bah là, il est en Italie. Là, on est déjà au Texas, tu vois. Là où je vais t'enterrer. Vivant, bien sûr. Hein. Vivant, c'est pas intéressant. Tu gagneras pas beaucoup. Mais si, comme ça, après, je collerai mon oreille contre son... Comment ça s'appelle? Son cercueil, et je l'entendrai mourir délicatement. Oh, t'as des méthodes de torture JP qui sont... Elles me sont propres, d'accord? Je sais pas. À moins que tu veuilles mourir pareil. Non, c'est pas la méthode que j'exploite. Avec Lunari, moi. Oh non, pas les deux en même temps, non. Oui. Comme ça, je pourrais lui faire des choses. Oula. Oula. Non, en fait, oublier. Ouais, vaut mieux, hein. Ouais, vaut mieux oublier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fredo? Moi, je n'en pense rien du tout. Mais alors, vraiment rien. Je n'ai rien entendu, rien vu. Il a déjà. Moi, je ne suis pas là. Je t'ai pas là. Voilà. Tu es où? Pas là. Si on me demande, je ne suis pas ici. Je ne suis jamais venu en vocal. Exactement. Ça fait 2 mois que je suis pas venu. Je ne vous le fais pas dire. Donc tu vois, donc je pense que dans ce vocal, les personnes qui sont concernées dans la discussion, je crois qu'il y a moi, Evan, Maxou et Romain, et Quentin J. Voilà. Parce que JP, Fredo et puis Orlando, ils disent pas grand-chose.
Et moi. Voilà. Toi, Louis, tu es concerné par cette discussion. Et pourquoi tu es concerné, moi ? Je suis consterné, moi. Consterné ? Consterné. Pourquoi je suis concerné, moi ? Et vous, vous allez vous prosterner ? Non, 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 non. Pas devant toi, Louis. Devant quelqu'un d'autre. Oui, on va se calmer. Tu es pas le roi, Louis. Si, t'es Louis XVI ou Louis XIV, à la limite. Non, non, bah non, maintenant, Louis XVI, hein, parce qu'on sait tous comment il finit. C'est-à-dire très mal et sans tête. Pas très en forme. Il a encore envie, en fait. Oh non. Est... Oh non. Excusez-moi, mais il faut que j'intervienne au plus vite. C'est-à-dire que... Voilà. Il connaît pas son histoire, c'est pas possible. Louis XVI est encore vivant. Je le plains. Hein. Ah bah oui, c'est bon, il est encore vivant alors. Ah. Oui, bah oui. Mais je l'ai vu l'autre jour. Je l'ai croisé hier au marché. Au marché. Il avait pas l'air d'avoir le plus, il était entre le rayon d'électroménager de bananes sautées. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Marco, tu... Non, en fait, tu descends. Ah, parce qu'il est monté où ? Sur le bureau. Ah. Ah, au moins, il est pas en dessous. Oh. On sort et on va tout droit. Alors, Louis, plus sérieusement, je crois que tout à l'heure, on risque fortement de se fâcher. Hein. Bon, pourquoi ? Je ferai des... Vous dépassez un petit peu les bornes, voyez-vous ? Attends, ah merde, faut sortir. Bon, on rigole. À droite, puis tout droit à la sortie. Bah, ça va 2 minutes, vous voyez, mais pas 30 non plus. Mais ça fait 47 minutes. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous démonter, mais tous les deux. Quelqu'un roule après ça ou pas ? Non. Non. Oh, non. Oh bah non, Esteban, là, il va aller se coucher dans 5 minutes, là. Wow, ouais. Ah, merde, moi aussi, faut que j'aille me coucher. Faut que j'aille dodoter. Ah, Sniper, il a roulé. Oui, c'est bien, Sniper. J'étais jusqu'en Angleterre. L'Angleterre. Dis-moi qu'il y a marqué Real derrière son message. Oui, j'ai pas dépassé les 90 km/h. Credo. Bien. Quoi ? Il y a marqué Real derrière son message ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, le Real ? Real, ça veut dire réel. Compté en kilomètres réels. Ah oui, 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 d'accord. Et Race, ça veut dire course. Ah, mais ça, c'est tout nouveau, parce qu'avant, ça ne paraissait pas. Hein. Bien. Bien. Moi, j'ai pas dépassé les 90 km/h. Donc, Non, mais dans Truck Delivery. Oui. Je vais voir. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Maxime, fais attention à toi. Si tu m'as dépassé aujourd'hui, ça va mal aller. Ah là, je sais pas, là, j'ai pas regardé pour l'instant. Hein. T'as encore roulé ? Ouais. Oh purée. Oh lolo. Le matin à 7h, Louis va être sur son PC en train de faire. C'est clair. Ok, c'est bon, t'es encore derrière moi. C'est bien, reste bien. Bah, t'as quoi de la marge, hein, Coco ? Il y a moins de. Il devait de fou des kilomètres, ceux-là. Louis ? Il y a même pas 600 km. Je dois me lever tout demain. Reste bien à ta place. De toute façon, demain après-midi, je l'ai fait de nouveau 6000. Je sais pas comment, mais je l'ai fait. Ouais, ah, voilà. Tourner à droite. T'as des places qui te restent au tir à l'arc là pour que tu les prennes un petit peu, Quentin ? Bah non, là c'est bon, je rajoute 800 km donc je te mets large. Le tir à l'arc il me reprend en fait. Il recrute ? Ah, je peux aller me coucher à 23h si je veux. Bah donc. Oh, merde, il y a un montagne. Ouais, Quentin, si t'as de la place, tu prends Louis en même temps, quoi. T'auras 1000 et quelques à rattraper. T'inquiète pas, là, je suis conscient de... Oh là là, je crois que j'ai vu des gens qui étaient des flemmards. Ouais, j'avoue, là, flemmard, conducteur de merde. Un flemmard. Louis, je dirais rien parce que tu fais pareil. Ah bon, pourquoi ? Aïe. En venant te garer dans des places simples. 987 km. Continuez. Actualisez. Voilà, moi je me suis bien garé. Et donc là, on va faire le bon résultat. 96 km. Même pas, on fait une photo, les gars, faut prendre une photo. Voilà, on va déclarer la remorque et on fait une photo. Oh là là, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, il faut refaire faut une photo. Faut pas oublier la photo. Je relance mon jeu.
Aïe, il avait déjà été un jeu, lui. Il est déjà au lycée. Et maudit Velgo. J'arrive, j'arrive. On se met où pour la photo? Attends, attends, j'arrive. J'arrive. J'ai fait un tour gratuit. En train de rouler, Maxoum? Ah ouais. Bah, venez à la limite. Ouais. À la limite, venez comme ça ici. Voir, et on se colle à la végétation qui est juste derrière nous. Pour une belle photo de fin. Est-ce que cela vous convient de vous mettre tous à côté de moi? Putain, ou j'ai l'impression de faire du Minecraft. Regarde-moi ce créneau magnifique. Ah, magnifique. Magnifique, ma chérie. Et en plus, on finit sous un ciel étoilé. Attendez, non, il n'y a pas d'étoile. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une duplication de Fredo dans les camions. Mais non. Moi, ouais, je me fous devant. Non, mais pas au milieu, Louis. Mets-toi à côté. Je suis coincé. Ah non. Pour équilibrer, Louis, mets-toi à côté de d'Evan. Pour équilibrer, parce que moi, je suis au milieu. M'en fous. Il se garde plus comme une brouette. Par contre, il faudrait un peu avancer, parce que sinon, on n'est pas aligné. Bah, nous, on est tous bien alignés, hein. Non, mais regardez, là, il y a un trait devant, là, on s'aligne ici. Pas besoin de s'aligner à un trait, hein. On n'est plus des enfants. Allez, recule, recule, recule. Allez, donnez-vous la main, par deux. Voilà, et on va faire la fin de vidéo. Vous rentrez bien sagement. La vidéo a quand même duré 55 minutes. Quasiment. Allez, à la clé de l'œil. Allez, quasiment 55 minutes. N'oubliez pas de vous laver les mains. Louis, recule, dépêche-toi. Attends, je me rapproche de Fredo. Ah, et c'est pas un drame. Attends, non, il faut dépêche-toi, Louis. Oh là là. Vous, je ton petit fessier. Non. Parce que je crois qu'il y a un monsieur Flash ou JP qui risquerait de t'y appeler tout à l'heure. C'est énervé. Voilà. Attention. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires, commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus au lieu de mettre des dislikes. Ah ouais, on en a vécu l'expérience. Dimanche. Voilà. Disons un max. Donc, pour cette vidéo, on était accompagné de Orlando. Ok. De Fredo. Bonsoir à tous. D'Evan. Salut, bonne nuit. De Louis. Allez au lit, bande d'enfants. Maxoum. Lâche un like. De Roro. Ouais, bonne soirée. De JP. Bonne soirée. De Quentin G. Marco. De Marco. Okay, de Marco qui dira rien, bien évidemment. Et de tout le monde. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. On est bientôt 250 abonnés sur la chaîne. Et puis wow. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.